Mais tu vois, potentiellement, c'est tout bête, mais si je gagne des paires prochainement et que c'est des paires que je veux pas forcément ou quoi en 45, des paires que je pourrais faire gagner, tu vois. Mais on verra. Pour l'instant, je sors de ma poche et puis on verra dans quelques temps si j'arrive à trouver des opportunités pour vous faire gagner dans votre pointure la paire, quoi. Run the Jewels qui vient sortir. Dunk High, elle est dégueulasse, mais la low, elle est pas mal, en vrai. Bon, faut focus, dernière game sur le compte. Genders are more easily discerned by the pitch of their cries. Dans la story où les gens, où t'as demandé les paires aux gens. Oui, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont envoyé leur infâme pied de merde. Je les ai tous insultés. Si tu veux, Golfix, mais après t'inquiète, j'ai déjà... Contact chez Footlocker, c'est bien, tu vois. En vrai, je prends, hein. Je prends. Mais j'ai... j'ai un contact chez Nike, quoi. Sans flex. Et après, bon, Nike, c'est... C'est très prestigieux, tu vois. On bosse et on verra, peut-être que j'arriverai à faire des trucs avec eux à terme. Mais pour l'instant, on bosse. Il faut juste bosser. Et si vous voulez m'aider et potentiellement avoir des meilleurs pairs, bah faut juste participer au concours et me suivre sur Insta, quoi, c'est tout. Même si je pense que là déjà comme ça je vous mets bien, quoi. Qu'est-ce que je fais, frère? First blood. An ally has been slain. You have been slain. À quel moment c'est worse, bro? Ta wave est freeze, genre. C'est quoi ce level? Alors je pense que ça va quand même crash, mais je suis même pas sûr, hein. La wave arrive. Tu sais que si ça crash pas et que ça freeze, le mec en face est juste débile, c'est 100 fois worse pour moi. Je comprends. Non mais t'inquiète Golfix, en vrai envoie-moi un DM sur Insta. Envoie-moi un DM sur Insta, je suis chaud de prendre, hein. En vrai, je me limite pas spécialement. Si en vrai le mec me dit qu'il est chaud et que je peux faire un truc avec un footlocker... La jungle n'a pas l'air trop cringe. Genre là, elle récupère 3 CS, elle récupère 15. Le mec est trop con, genre. Et j'ai pas d'autres mots. Oh, ça m'a cassé les couilles. Ça reste quand même très très worse en termes d'XP, mais... Il y a moyen qu'elle ait flip le top. Bah, elle est top, hein. C'est 15 ans qu'elle... Ok, elle est là. Calme-toi, le level du mec est correct, ça marche. Bah écoute, si Litchi66 le dit dans le chat, bah la Zoé est forte, les gars. Y'a déjà eu des collabs entre influenceurs et Nike? J'en sais rien en vrai. J'en sais rien. Je crois pas trop en vrai. Hein. Peut-être avec Nike comme acteur secondaire du truc, mais pas comme acteur principal, je pense.
Certains préfèrent les NB ou autres. Ouais, après... J'ai pas de pince, hein. T'es mort. Et toi aussi, hein, si elle est correcte. Bien joué. Ah, il a fait de footwork. Ok, big. Pas le problème. Bon. Il va y avoir Gwen au mid. Il va y avoir la bot line au mid aussi. Le game est quasiment fini là. Je suis tellement fed. Un peu solo win. Je sais pas si tu vas à la place des galeries à Lille. Il y a un magasin de custom de basket, cherche des collabs. La place des galeries à Lille. Alors j'habite plus à Lille donc non, je vais pas là-bas mais. J'ai bien envie de repasser à Lille. Il y a le mec qui tient. Comment elle s'appelle la boutique? La boîte collector, un truc comme ça? Je sais pas si vous connaissez les mecs de Lille. Il a fait un LSDLV là avec Camino sur YouTube. Après, mec, bah, je connaissais la boutique déjà de base quand j'étais sur l'île. J'étais déjà passé plusieurs fois. Mais le mec, il a une collection de fous. Et il dit dans le truc qu'il vend des paires. Et en gros, ce mec, il a des. Il a des gigapaires. Hein. Paires collector. La Belvette est cancerbad. Je le dis, elle est cancerbad. Mais. Mais j'ai bien envie de passer là-bas. Aussi. Elle meurt, je pense. Je me dis fun, je vais juste en V9 la game, Ikari ses chiens et ça va le faire. Elle voulait pas tomber cette plate, hein, je l'ai pas eu, hein. Du coup, Litchi, c'est ça, c'était Litchi son pseudo? T'en penses quoi du niveau de la Zoé maintenant C'est à ton tour de parler, Litchi. Je te tends le micro là. Sidestep ça, le move est tellement clean. Dommage. Correct, elle fait partie des 1% des joueurs les plus forts de LoL. 3 petits points. Ok, Litchi. Merci pour ce message. Il va mourir. De mon vis-à-vis en plus.
Litchi, avis ? Ça fait quand même 4 fois qu'elle meurt en lane, hein, à Zoé. On devait le cause. Avis ? Toute sa team gagne. Hein. Elle a juste à rien faire. Push des waves pour gagner. C'est faux, peut-être que j'ai raison, même si elle est moins forte que toi, ça veut pas dire qu'elle est rincée, sinon tout ton chat qui doit être entre bons et D1 sont des sombres merdes. Et pourquoi t'essayes de ramener ça à mon chat? C'est quoi le rapport, tu vois? C'est toi qui essayes de défendre la Zoé comme si c'était ton frère, tu vois? Alors le mec est objectivement bad sur cette game, tu vois? Ça n'enlève pas le fait qu'il est master, ce que tu veux. Sur cette game, il est en train littéralement de solo lose la game, tu vois? Il n'y a aucun rapport avec le chat. Hein. D'ailleurs, je sais pas si la Zoé c'est ton petit frère ou pas, mais genre. C'est toi qui le défends pour rien. Genre, le mec est bad. Genre. Elle a bien joué là en vrai. Surtout que j'ai pas ma cleanse. J'ai une cleanse pour son ignite, voilà. Pas mal. Au final... Oh, il a que 3 AR. Au final, c'est pas trop mal parce que j'avais la cleanse pour l'ignite. Si j'avais cleanse avant, je pense que j'aurais pas pris les dégâts, donc j'aurais pu rester en lane derrière, mais c'est pas mal. De pas avoir de potion, mais il faut que je reste dans une curve assez élevée parce que le Xerath, frérot, il va pas m'attendre. Hein. Abuse pas, tu vois très bien ce que je veux dire et je dis pas ça pour créer du drama ou de mauvaises intentions. Bah non, je ne vois pas ce que tu veux dire. Genre, je ne vois pas ce que tu veux dire dans le sens où le mec est bad. Genre, je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas ce que tu cherches à défendre ou pas. Genre, le mec est bad sur cette game. Alors, il n'y a pas de drama, juste. Je ne sais pas pourquoi tu veux pas me laisser dire, bah, globalement, la vérité sur la game, tu vois. Genre. Enfin, sa botlane a pris la tourelle et 5 plates en 12 minutes. Toute ma team est tiltée, il n'a rien à faire, il est mort 5 fois en face de lane à Zoé contre Vel'Koz. Et tu refuses que je dise qu'il est bad? Bah, si, il est bad, tu vois. Un mec bat peut pas être master. D'accord. Ok. Après, c'est vrai qu'elle fait une mauvaise game. Merci. C'est un peu injouable. Hein. Faut que la Belviette vienne, mais. Ouais, Graves, ça va être un 2v3. Et honnêtement, ils sont beaucoup plus forts que nous. Voilà. J'ai pris la bulle. Elle est morte. Je sais pas pourquoi Lulu est pas au mid en vrai. Je sais pas comment nous allons gagner cette partie. On va essayer, mais je pense que c'est perdu. Et on reportera notre jungle.
pour le coup, le moins bon joueur de la team, c'est lui. Allez, morte là, Gwen. Ah, tu sais, ils vont faire de l'ARM, quoi. On va faire de l'ARM, on n'a pas d'ADC, et la Belvette, c'est pareil. Pourtant, c'est pas faute d'avoir... chier sur la game, mais bon. Pas assez. Pas assez. Un peu ce qui est chiant, c'est que le Xerath m'a outrange, quoi. Oh, 400 gold. The pattern is clear. Shut down. Pas mal. Je crois pas qu'il est heal. Après, c'est fine, on a pris des kills. De toute façon, je pense que là, faut juste que je prenne des kills pour avancer. Mais le Xerath a plus de stuff que moi. Et la Zoé est pas mal dans la game vu qu'elle a récupéré sur elle. On a eu les Heralds, hein. Mais bon, ils ont bientôt le Drake. En plus, le Drake est tellement fort sur eux là. Voir Extech sur des persos qui m'a outrange, c'est tellement infâme. Le truc, c'est que le Kennen, c'est le seul espoir que j'ai, mais je l'ai vu jouer un move. Et je sais que ça va pas suffire. Je suis obligé de quasiment de ping son truc là. En soi, ils ont pas la vision du coup, mais... S'il repasse par le mid, il meurt. Surtout que Xerath est pas là. J'ai une chance. Ouais, il recule, il sait que je suis là. Ils ont le Drake. J'ai le flash, hein, y a des choses à faire, mais je pense que le Varus c'est base. Ouais, Xerath aussi. Et c'est peut-être moi qui peux faire un truc ici. Par leur botlane. Un peu la vision en fait. La Lulu est... jamais là. Tu sais qu'elle peut mettre des wards ou... Bon, j'ai quand même pas mal d'avance. Hein. Ah, je crois que je suis le seul à avoir un farm correct. Hein. Ouais. Je suis bien en farm dans la game. En XP aussi en vrai. Un gros timing solo là, je fais le 14. Hein. On peut carry, hein, mais je vais me faire focus. Genre, si le Xerath est un bon joueur, il appuie sur R quand je R en fight,
il me met ses 4 stacks de R, je suis quasiment mort. C'est un bon call. C'est peut-être vu en vrai. Je suis bloqué. Je sais, hein, ils sont en train d'arriver avec les portails et tout, mais je suis bloqué. Elle me cherchait que ça bue, la trinket bleue et tout. Cringer. On a perdu. On a perdu. Ok. Il a vraiment été suicidé là ? Bon. J'ai pas trop compris comment je lui ai fait si peu de dégâts, parce que même avec un X-Drinker... Je veux dire, j'ai du stuff. Je suis level 14, après level 15, mais... En vrai, il y a son shield d'Eclipse, plus le shield d'Exdrinker qui a proc. Je pense que c'est ça. Qui me donne l'impression que je lui ai pas fait de dégâts. Bon, de toute façon, on va pas gagner, hein, mais... Pour le coup, il y en a vraiment pas un pour attraper l'autre. Mais le comportement du sup et du jungle, après les quelques moves qu'il y a eu bot side, c'est... Ouais. Attention, je pense qu'ils veulent pas trop gagner. En fait, je sais même pas pourquoi ils votent pas FF. Parce qu'ils essayent pas de gagner. Il compte venir faire un truc avec son ulti bientôt, lui, ou... Next game?
exoskeletal quite peculiar. An ally has been slain. Kenen, c'est un spécimen aussi, hein, ouais. Je peux hold la game longtemps, mais ça ne va pas être suffisant en fait. Genre ils vont pas s'arrêter d'être des cringe lords dans le chat et ils vont pas devenir forts dans la game, tu vois. C'est bon, j'ai 60 CS d'avance sur le plus haut en face et 3 items, mais on ne peut pas win en fait. Je go full AP, hein. Je peux pas faire de défensif. Oh, vous avez voté non toute la game, mais vous allez bien vous faire foutre, hein, maintenant. On est parti pour au stage 48, j'en ai rien à branler. C'est vraiment limite pas des êtres humains. Bon, ils ont lâche, hein, de toute façon, qu'est-ce que qu'on fasse. Ah, c'est un one tap, elle. Sans blue buff, c'est dur. Qu'est-ce que... Le pire, c'est que ça marche. C'est ça le pire, c'est que ça marche. Flash, my man. On a perdu là. Ah, juste MDR. Hein. La Zoé finit en 11. Après tout, Litchi avait raison. Hein. Le mec est un très bon joueur. Mais vraiment, le niveau de mes 4 teammates, c'est du rarement vu. Hein. Là, globalement, les mecs ne voulaient juste pas gagner. Ils ont passé la game à aboyer dans le chat, ils ne voulaient juste pas win. Là, enfin... Lui, c'est pareil. Ils sont... Enfin... Ok, t'es autofill. Bon, lui était pas autofill, je pense. Yep.
En vrai, ça fait peur, hein. Attends, mais il nous a pas déjà run dans une game, lui ? Sur autre chose que Belvette ? Ah, ce mec est OTP Belvette. Tu sais que les OTP Belvette qu'on croise, c'est assez triste, hein, le niveau. Et lui ? Ça fait peur. Du coup, normalement, on est à 77 games. Bah, 42 wins, 35 lose, c'est ça. 35 games première semaine, 42 deuxième. On peut rejouer à partir de 20h, mais je serai à mon entraînement de basket. Donc...